Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose de super cool. Vous avez vu dans le titre et je vais vous apprendre ça. Je sais pas par quoi commencer. On peut commencer par faire des cristaux peut-être. Ça, c'est super cool. Là, je suis dans mon propre bureau. C'est tout bien lumineux. Je suis trop contente. Et je vais décorer encore. J'ai ma petite guirlande ici. J'ai encore des travaux à faire. J'ai encore des cartons. J'ai pas tout préparé encore, mais ça va venir. J'ai pas trop d'idées encore pour comment je vais décorer ma chambre. Mais bon, alors on va d'abord commencer à parler. Je sais pas comment ça se prononce, mais moi j'ai grayscale peut-être. Grayscale. Ouais, peut-être que c'est ça. J'ai fait mes petites recherches sur YouTube. Ça nous montre comment faire, mais en fait, j'avais pas trop compris quelque chose. Mais à force de faire, à force de s'entraîner, en fait, je viens de capter que il fallait mettre plusieurs calques d'incrustation sur format blanc et noir. Et du coup, ça marche super bien. J'ai fait ce petit dessin-là avec cette petite technique super facile. Et franchement, c'est vraiment génial. On peut vraiment tout faire. Et après, vous avez juste à mettre des couleurs que vous souhaitez par-dessus. C'est parti. On va d'abord commencer à prendre une couleur grise, mais vraiment un peu claire. On va prendre un nouveau calque. Alors là, je vais aller sur Pinterest et je vais écrire cristal. Je vais me mettre sur une couleur un peu plus foncée. Et on va commencer. On va aller sur sélection et je vais faire main levée. Et là, je vais prendre une couleur plus claire. Je vais faire ma petite forme. Alors là, je vais faire comme ça. Ok. Alors là, je vais poser ça là. C'est mieux de faire remplissage de couleurs. Comme ça, nous avons déjà tout qui est prêt. Là, je vais prendre une couleur plus claire. Et je vais faire d'autres formes. Voilà. Notre calque avec une autre couleur, mais on va rester toujours entre le blanc et le noir. C'est à vous de choisir. Voilà. Ok. On va commencer à poser les lumières, l'ombre. Alors, je vais commencer par celui-là. Oui. Celui-là, aérographe tout. Et je vais commencer à faire tout ce qu'il faut pour vraiment rendre notre dessin le plus ressemblant possible. Ok, pour l'instant nous avons un petit rendu comme ça, c'est pas trop beau non plus, mais là je vais faire le contour avec un line aérographe tout avec une stabilité dessus.
Parce que moi, j'arrive pas encore à gérer les contours, en fait. Je ne peux pas faire ça encore pour l'instant, alors je préfère mettre des lines, en fait, dessus. Je vais un peu effacer mon line, mais d'abord je vais dupliquer parce qu'on sait jamais, peut-être que je peux avoir des soucis. Alors c'est mieux de dupliquer votre calque. Un tout petit peu, on efface. Ok, là c'est parfait, franchement je suis super contente. Comme ça. Et maintenant je vais me placer sur ajouter et je vais me mettre encore vers le blanc un peu plus haut et je vais commencer à faire les touches de lumière. C'est ça qui va vraiment rendre votre dessin vraiment super beau. Je vais mettre mes touches de lumière, là je vais mettre en aérographe tout mais en stabilité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, stabilité, stabilisation, stabiliser. Je pense que c'est stabiliser, je ne sais pas du tout. Alors là, je vais mettre au bord quelques lumières, ici aussi, comme ça. Je vais mettre ici, là, comme ça. Alors, je vais faire tout ça et je reviens. Ok, nous avons ça maintenant. Je vais prendre celui-là. Le petit pinceau-là se trouve ici. Ici. On va faire ceci. Partout. Voilà. Ici. Ah, c'est vraiment trop trop beau. Là, je suis super contente. On tient un beau truc là. Ok. Là aussi, je vais faire comme ça. Ici et là. Attendez encore. Franchement, je suis super contente, mais vraiment. Ça, je vais changer un peu. Je vais mettre plus clair, peut-être. Ouais, un peu plus foncé. Oui, et là, je vais mettre l'ombre. Attendez. Ok, franchement, là, je suis vraiment super contente. Mais vraiment. Bon, maintenant là, on va mettre tout ça en couleur. Alors là, je vais rien toucher. Je vais juste me mettre au-dessus. Et je vais me placer en incrustation. Voilà. Après, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais prendre turquoise, bleu et violet. Voilà, je vais commencer par le bleu. Ou non, violet. Je sais pas du tout. Allez, bleu. Et je vais mettre ça, tout ça, un peu partout. Vous avez vu, déjà, on a ce petit résultat super cool. Mais quand vous dupliquez ça, vous allez avoir ce résultat. Mais là, c'est beaucoup trop fort, en fait. On va juste baisser l'opacité. On va se mettre au milieu. Et on a déjà ça. Bon,
Ça, je mets de côté d'abord. On va commencer à remplir tout ça. Là, je vais faire comme ça pour aller plus vite. Et voilà. Super. Et maintenant, je vais faire le fond. Ça, je sais pas trop comment je peux faire. Du violet peut-être. Je sais pas si je fais ça. Incrustation. Ouais, ça va. C'est bien. Ouais. Et maintenant, on va pouvoir... Attendez, je vais tout recommencer. Alors là, nous avons déjà cette petite base. Je vais effacer le fond un peu parce que ça nous donne un peu du violet dessus. Bon, c'est quelque chose que je voulais, mais je préfère vous montrer bien tout ça. On va un tout petit peu effacer. Ok. Je vais dupliquer mon calque, ma couleur qu'on a mis sur les cristaux. Et on a déjà ça. Attendez, j'efface ça, je sais pas, j'enlève ça parce que je ne sais pas pourquoi il est là. Je vais me mettre au milieu. Alors ça, c'est quand on n'a rien du tout. Et ça, on va juste un peu faire ça. Et je vais verrouiller et je vais mettre du violet un peu partout. Comme ça. J'espère que vous avez compris. Franchement, là, je suis super fan du résultat, sauf que là, il y a beaucoup trop de lumière. On va enlever ça. Ça fait beaucoup trop fort, en fait. Voilà. Et je ne sais pas ce que je peux mettre encore. Du violet foncé, mais là, je vais mettre sur multiplier. Et je vais plutôt faire comme ça, c'est mieux. Ici. Alors sur les cristaux, même si vous avez des endroits foncés, il faut vraiment pas hésiter à mettre de la lumière en fait dessus, sur les endroits où vous avez posé votre en bas, j'arrive plus à parler, sur votre ombre, vous pouvez mettre de la lumière, c'est pas trop grave parce qu'il y a toujours de la lumière quelque part. Alors là, je sais pas si j'efface. Non, ça marche pas trop. Voilà, on va se placer sur incrustation. Et je vais prendre un peu du turquoise. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre sur les endroits où on a posé notre ombre. Comme ça. Comme ceci. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux faire. Comme ça, je peux vraiment vous aider. Par contre, moi, je suis vraiment trop fan du résultat. Je suis super contente là. J'avais vraiment la flemme de faire, mais là, je suis super contente. Je peux mettre ici peut-être. Comme ça, ici, là. Je suis super fan. Bon, ça ne nous donne pas un côté réaliste. Mais au moins, on a quelque chose de beau. Ici, là. Ok, je vais un peu estomper, un tout petit peu, parce que ça fait trop brusque en fait. Un tout petit peu on estompe. Ok, on va effacer ça par contre, un tout petit peu. Je trouve que c'est mieux comme ça. Bon, je pense qu'on a fini. Je pense que c'est tout pour moi.
les amis, si vous avez vraiment aimé ma vidéo, si vraiment les tutos comme ça vous aident vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, abonnez-vous. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Abonnez-vous, voilà. Aimez ma vidéo ou commentez, demandez-moi tout ce que vous souhaitez. Il y a déjà un petit tuto feu. Alors, on a déjà fait les cristaux. Abonnez-vous. Voilà, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Et entraînez-vous.